Chers amis, chers parents, distingués invités, c'est avec beaucoup de tristesse que je prends la parole aujourd'hui pour témoigner en l'honneur de mon ami, ma collègue, Miguel Dibra, Maître Dibra. Miguel était, comme vous l'avez entendu et vu, une femme exceptionnelle, à tous les niveaux, incluant sur le plan juridique. J'ai eu le privilège de la rencontrer en 2005 à la Cour d'appel, où nous avons fait notre stage ensemble avec les juges du plus haut tribunal du Québec. Nous sommes devenues avocates et nous nous sommes très vite liées d'amitié car nous partageons les mêmes valeurs qui sont l'amour, le respect, l'honnêteté, la transparence et le service à la communauté. En effet, Miguel était excellente, non seulement sur le plan académique et personnel, mais également sur le plan professionnel. Elle est la gagnante du prix du barreau de Montréal pour l'excellence en droit civil et elle a obtenu sa licence en droit, son baccalauréat en common law, sa maîtrise en droit et son doctorat avec distinction. Bien qu'elle était spécialisée en droit du travail et en droit des affaires, elle aimait aussi aider les gens dans le besoin pro bono. Ça veut dire quoi pro bono? Gratuitement. Elle avait bon cœur. Elle a élevé son fils, Davis, avec un dévouement hors pair et incomparable. C'est en grande partie grâce à Miguel que Davis est devenu l'homme respectueux, respectable, qui a atteint les plus hautes sphères de la médecine. Ta mère est fière de toi, nous sommes fiers de toi, Davis. Tina, que Dieu te bénisse, ta fille était exceptionnelle et tu l'as élevée dans l'excellence. Miguel nous manque terriblement et elle laisse un vide que Dieu seul peut combler en nous accordant sa paix. Sa paix. Dans Osée, chapitre 13, au verset 14, le Seigneur a promis de nous racheter de la puissance du séjour des morts et de nous délivrer de la mort. Tel que son fils Davis pourra en témoigner, les dernières paroles de Miguel, avant de rendre son dernier souffle, étaient « Je m'endors. Je m'endors. » sont bien les derniers mots de Miguel. Effectivement, elle s'est endormie. Elle est plongée dans un profond sommeil duquel elle se réveillera lors de la résurrection des morts, c'est-à-dire lors de la seconde venue de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18, il est écrit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier. Et nous les vivants, qui seront restés, nous serons enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. En effet, Tina, Davis, Florian, Miguel,
dort, jusqu'au retour en gloire de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Quel repos! Quel repos! Quel repos!